Riek Machar en exil. L'ancien vice-président sud-soudanais a fui le pays suite aux violences du mois de juillet. Selon un porte-parole de l'ONU, il aurait trouvé refuge en République démocratique du Congo. Mais sa localisation exacte reste pour l'instant inconnue. Riek Machar avait fui Djouba, la capitale du Soudan du Sud, courant juillet à la suite de combats entre ses partisans et les forces loyales au président Salva Kiir. Affrontement qui avait mis en péril les accords de paix signés en août 2015.